Alright tout le monde, je suis Justin R, et on se retrouve à la suite de Banishers, Ghost of New Eden. Donc on s'avait laissé ici. Là, il y a Antea qui veut nous montrer un nouveau pouvoir. Ça va être sûrement d'aller faire exploser cette porte. De toute façon, c'était comme ça que ça s'appelait notre nouveau pouvoir, explosion. Je crois qu'on peut casser ça, ensemble. Bien sûr. Laisse-moi prendre ma pioche. Fais-moi confiance. Ok. Oh, tabarnak! Wow! Tu as ressenti la façon dont j'ai déchiré le voile? Oui. Je l'ai senti. Et on a réussi ensemble. J'ai rien fait, moi. Grâce à toi, j'ai pu me concentrer. Ce n'est pas rien. Tu pourrais recommencer? Oh, mais j'y compte bien. Cool, fait que là, il y a plusieurs endroits où est-ce qu'il y avait ces genres de portes-là qu'on peut maintenant détruire. Je pense qu'on peut y avoir accès dans la carte. Mettons, on va ici. On peut aller dans la map. Ça, c'est le fléau. Quand je suis pour me déplacer comme ça. Là, il y a plein d'endroits. Nous autres, on a commencé où? Ça, c'est New Eden, right? Nouveau code d'entier disponible. Ah! Je pense pas que c'est New Eden, ça. On avait commencé ici, je crois. La difficulté un peu à me repérer. Ah, le Dark Woods. C'est ici, ça n'aurait un code d'entier. Regarde ici, j'ai même pas été, là. Ça, c'est le camp des chasseurs. Ouais, ça, c'est le camp des chasseurs. Donc ici, on aurait un code d'entier, si on veut level up. Ici, on a quoi? C'est un mur destructible. Donc, on a plein de places où est-ce qu'on pourrait revenir, en fait, puis détruire les murs. Ou, on a fait que continuer. On va voir. Ah, on peut faire le tour ici. Et voilà. C'est sûr que ça pourrait nous être utile de retourner un peu sur nos pas puis d'apprendre en fait ce qu'on pouvait pas prendre auparavant. C'est quoi ça? Il y a quelque chose ici. Moi je vais prendre ça. Ok, ça a fait quoi? Ah, j'ai pas accès. Comme ça. Comment j'avais fait? Faites-moi ne jamais t'énerver. Cool. Baleine! Yeah! On peut upgrader quelque chose avec ça. Je me souviens plus quoi, par exemple. Qu'est-ce que c'était ça? Non. C'était pas ça, je pense que c'était ça ici. Non, même pas. Je me souviens plus. Bref. Allons-y. On va upgrader ça là, quand on va se trouver un autre camp. Là, nous sommes déjà en route. Ah! Intéressant. Drôle d'endroit pour une palissade. Terrain ferme, accès marécageux, comme à Bannockburn. 1314, quand les Écossais ont vaincu les Anglais. Vous avez gagné la bataille, mais qui a gagné la guerre? Je sais pas. Elle n'est pas encore terminée. Ok, là, comment faire pour accéder ici? Je serais quand même bien curieux de récupérer le coffre qui est ici. Mais je suis pas certain que je puisse par ici. Bon. Tant pis.
On a accès à des matériaux qu'on n'avait pas auparavant. Ah! Coucou! Merde! Fais ton nouveau truc, maintenant! Waouh! Hunter, rendu forte! Check ça! Come on! Boom! Ah, ça c'est pratique, ça remonte full de vie même quand que je tue quelqu'un. Ça me donne full de vie. Comme là j'ai tué deux spectres là, ça m'a donné plein de vie. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On a des orbes fantomatiques là-bas. La Nouvelle-Angleterre porte bien son nom. Parce que c'est mieux en Écosse? Non, la météo en Écosse est tout aussi pourrie. Tout comme la nourriture. Et la musique, c'est un endroit horrible. Du moins, c'est ce qu'on vous dit à vous autres, les étrangers. Ah! Je peux t'aider. Attends une minute. Boum! Je m'en fous. Tire-toi, Red! Tu vas te tirer, oui. Ouais. Et voilà. Quelque chose les entrave. Quelque chose de cruel. Attends, mais là, il y a une cabane là-bas. Je suis quand même curieux d'explorer un peu les alentours ici. Je me sentirais mal de pas explorer. Le brouillard, la boue et la misère. Ça me rappelle la Hongrie en 86. Pas la meilleure période de la chrétienté, ni la mienne. Tu étais différent à l'époque. Peut-être que la boue et la misère sont ma pénitence. Plus efficace que ta poudre à canon. Oh man, on peut explorer tout. On peut pas y aller? Bon, on peut y aller avec elle. Ouais, le gameplay il est vraiment intéressant, j'aime ça le switcher de personnages comme ça. Moi c'est la cabane qui m'intrigue. T'as senti ça? C'est tout proche. Ah. Ah. D'accord. Ah, finalement, on n'a jamais rendu le fusil à Kate. Oh, des gens ont pu vivre ici. T'en fous. Oh, lisse, ah ouais, c'est fait. Merde. M'énerve l'autre en haut. Prends-toi ça! Quelque chose sonore. Tout ça pour. Et voilà. Il me semblait que j'ai pas fait ce chemin-là pour rien.
très utile à part de ça. Du lierre bloque le chemin. Ah, c'est ça qu'on sait pas quoi faire avec, encore. On va aller là. Ici. Donc ça, c'est un endroit qu'il va falloir qu'on revienne. Bon. Tant pis. Ah. Nouveau talent que tu as. Ça fait quoi de l'utiliser? C'est difficile à décrire. C'est comme une montée de colère. Une vague de frustration concentrée. Il y a de là, ouais, des trucs là-bas. On va y aller. Je peux t'aider. C'est un nid, ça, ou... J'en viendrais presque à croire que ce nid de spectre n'attendait que moi. Kawamaka Sanales. Let's go. Attention, j'en vois un autre. Ah non. Tain. Colin, il résiste, hein? Un cadavre et veut s'en emparer. Non! Calice! Astic, on a tellement pas le temps de s'y rendre là, c'est fou. Hey. Alright. Calice, ils sont bien résistants, man. Je fais pas beaucoup de dégâts, je trouve. Oh. Ah ouais! Esti, esquive! Tu fais quoi, tabarnak? Calice. L'autre est à côté de moi, je vais même pas rouler à côté, au pire. Hey, je t'ai fait un headshot, ta gueule. Non, ils sont donc bien résistants, merde. Et je peux même pas l'attaquer en plus. Ben oui, allez. Ok, arrête de les viser, merde. Parce que là, il vise quelqu'un, puis il est tout le temps autour de lui, là. Ça m'énerve. Oh. Ah ouais. Celui-là, il est costaud. Ah, il est costaud en tabarnak, l'autre. Vite. Good job. Et voilà. Il est dead. Ça a payé 2 secondes. Mais ça irait pas posséder le cadavre, ça irait bien, mais là...
Nice, j'ai manqué ma shot. Faut que je me débrouille tout seul. Ah, shit. Tabarnak. Gros, va-t'en, toi, esti. Mais non, comment ça qu'ils sont résistants comme ça? C'est quoi, là? Boum. Ah, laisse faire. Tu peux y mettre plus d'entrain? J'aime ça quand il m'attaque, esti, pendant que je suis en train de faire une attaque. Tabarnak, ah ouais, t'as plus de vie, dude. Le gars, il a même plus de vie, je donne des coups d'épée pis ça fait absolument rien. Oh. Allez, dégage. Ah, enfin! Non, il en reste un. Si, boire. Hey, je le regrette d'être venu ici. Bon, peut-être pas, peut-être avoir un bon équipement. Encore liste, hein. Tabarnak, ils font juste ça, se bloquer, merde. Bon. Si, boire. Ah, y'en a un autre, t'es-tu sérieux, là? Montre-leur pourquoi il faut avoir peur des pieds. Génial. Tabarnak. Pourquoi mes attaques sont de plus en plus faibles? Non, fuck you, man. Attention. Une possession spectrale. Eh hey, merde. Hey, ils sont forts en tabarnak, man. Ils sont tous en train de posséder tout le monde, Calis. C'est un vrai dur à cuire, celui-là. Tabarnak, c'est bien hard. Ils sont bien résistants pour rien, eux autres. Putain, calice. Va te tuer. Tabarnak. Ok, arrête de le viser, là, Calis, là, man. À toi, une fois qu'il vise quelqu'un, mon chum, là, ça va tellement pas bien après ça, essayer de t'enfuir, là. Bon, on va recommencer. Faut se rebattre contre tout le monde encore. Si, boire. Pas évident, man, des fois. C'est plate, j'essaye des fois de contrôler en TA, ça marche pas pantoute. Vite, dépêche-toi! Bon, si ça bloque toi, hein? C'est mon calice. Tiens, prends-toi ça! Fuck you! Ah! Attention, une possession spectrale. Encore un autre cadavre. C'est buzz. Ben oui, hey. T'as-tu vu le gars, il a donné un coup. Il a glissé sur moi pendant qu'il donnait son coup. Va chier, man. Il se rendait même pas au sinon. Tabarnak. Calice, t'as-tu fini, man, de faire ton assis d'attaque de merde?
Hey, c'est petit tabarnak. Ah ouais, cool, tu fais quoi? Repose en paix. Ils sont juste niveau 10, pourquoi que je fais pas beaucoup de dégâts? Si, boire. Sam, il était dur, là. Qu'est-ce que c'est-tu des bonnes armes que j'ai, ou... Niveau 3, ouais, je suis posé, man. Si, boire. Alors comme ça, tu n'aimes pas les corbeaux? Rien que des charognards ailés. Ils n'apportent que le désespoir. Qu'est-ce que ça peut être? Ça fait quoi, 20 minutes, je me bats contre eux autres? Un autre. Je peux t'aider. Hein? J'ai peut-être mis mon jeu à hard sans faire pas exprès. Il était anormal là. On a quoi ici? Je crois qu'on a un coffre ou quelque chose du genre. Ah, contrebandier. Oh yeah! Curieux de voir c'est quoi ces armes-là. J'espère que ça valait la peine. Augmente de 80% les dégâts des attaques lourdes. Mais ben, crime, c'est quand même bon. Je suis dessus, là. Quelle différence? Vitalité. Ça monte ma vitalité. Dégâts bloqués. Vitalité 34, 46, 11, 10. Non, mes armes étaient mieux, je pense. Mais 80% les attaques lourdes, c'est quand même bon. Je vais les essayer. Est-ce que j'ai level up? Parce que l'autre, qu'est-ce qui est pas pire, c'est que quand je tue un ennemi, j'avais de la vie. Fait que ça, c'est bon, ça aussi. J'aimais bien ça. On va essayer les armes que j'ai. On verra par après. C'est l'œuvre d'une sorcière. Ça peut être chercheuse? Je n'en suis pas certaine. Faisons attention. Ben, je pense que c'est ça, moi. Pas le tirer d'ici. Il y a quelque chose qui cloche.
Le voile est fin ici. Et les morts nombreux. Non, c'est pas ça. Tu ferais bien de prendre les devants. Tu lis dans mes pensées. Non, c'est ça. Je peux pas viser. Je peux rien faire avec Red ici. Quelque chose qu'on peut aller ici? Une entrée? Ouais. J'adore ça. Ça m'étonne pas de toi. Non, je veux dire ça. Être avec toi. Boum! J'attends ton signal. Tu sais ça? Oh ouais, ça fait des gros dégâts. Hey man, parce qu'on a pas vraiment une bonne place pour se battre ici, là. Il y a un spectre. Qui va se trouver encore. Ouais, ça fait des gros dégâts, mais ça me donne pas de vie, par exemple. Tu te souviens du mauvais esprit que j'ai senti il y a un moment? Je sens le même ici. Une malédiction ou un sort? Peut-être que chercheuse pourra nous aider. Ok, ça ici c'est optionnel. Récupérer ça ici. C'est moi ou... Je l'ai senti aussi. Non. J'y vois toujours rien. Je peux te prêter mes yeux si tu veux. T'as une petite minute là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a ici. Comme des tranchées, c'est comme s'il y avait une guerre ici. Je peux pas interagir avec. On doit comme lever là, la malédiction. Mais pas la malédiction, mais plus là, le voile, là, le brouillard. Il y a quelque chose de caché. Tu pourrais t'occuper de cette porte. Non. Impossible de la casser. Dans ce cas, trouvons autre chose. Je peux pas aller là. Si tu dois te reposer, cet endroit fera l'affaire. Ah, cool. Ici, c'est fermé. Je vais descendre ici. Donc avant tout, je vais aller me reposer.
Mais pas me reposer là, mais juste pour au moins que je puisse aller upgrader mes trucs que j'avais. Je m'y suis trouvé là. Bon. Et voilà. Bon, ok, là c'est de savoir lequel que je vais prendre. Et ça me drop la vie, ça me drop mon esprit. Mais la jauge de points d'esprit est vide. Man, je sais pas, parce que lui, il est quand même pas pire. C'est ça que j'ai depuis le début de jeu. On va y aller avec celle-là ici. Comme ça. Ça, c'est parce que lui, c'est que ça augmente là, de 80% mes dégâts chargés. Lui, parce que ça me donne de la vie, c'est quand même bon ça. Et là, c'est pas ça, mettons. L'autre, ce que j'aime, c'est que si là, ma jauge d'esprit est basse, ben mes dégâts montent de 40% avec Red. C'est verrouillé de l'autre côté. C'est quand même bon. Et voilà. Va chier. Que le diable t'emporte. Appelle-moi si tu as besoin. Ça s'est bien fait. D'après moi, c'est ni le spectre qu'on a trouvé tantôt qui ont mis ça fort en fait. Ok, on peut pas ici. Bon. On va vérifier aux alentours. Sérieux? Et voilà. Yes. J'attends quelqu'un. Je sens la malédiction ou le sort qu'on a déjà trouvé. Une malédiction ou un sort. Peut-être que chercheuse pourra nous aider.
vais la tuer. J'y prendrai sa tête. T'es chercheuse. Son sang. T'es chercheuse. La sorcière. La bannisseuse qui est morte pour son apprenti. Ah, l'apprenti de la sorcière. Salut, Antea. Tu n'es pas surprise de me voir? Tu n'es pas surprise de me voir? Tu es en avance, mais non, je ne suis pas surprise. Je suis désolée. À mon retour, Ciridian m'a dit que notre pauvre petit bannisseur reviendrait hanté. Un bannisseur hanté, c'est plutôt cocasse, non? Ciridian était au courant pour Antea? C'était quoi cette chose que tu as combattue? Cette chose? Oh, lui, une vraie plaie, voilà ce qu'il est. Et tu es gravement blessé? C'est pas la première fois que je l'affronte. Quelques minutes de calme et je serai de nouveau sur pied. Ciridian savait pour le fantôme d'Antea. Évidemment. Il est un peu lent, non? Si elle savait qu'Antea était là, pourquoi elle ne t'a pas dit de me le dire? D'accord. Ciridian nous a caché cette information pour une bonne raison. Mieux vaut faire confiance à son plan. La mort fait partie de la vie, bannisseur. Tu le sais mieux que quiconque. Elle ne voulait peut-être pas encore te briser le cœur. Tu t'es bien occupé de lui. Merci. Je suis une bonne apprentie. Je fais ce qu'on me dit. On peut t'aider? Ça ne va pas fort, on dirait. On peut t'aider? Oui, merci de demander. Certains de mes chasse-esprits se sont éteints. Alors Olsol a franchi l'ourlet. L'ourlet? Oui, là où le tissu du monde des vivants rencontre celui des morts. Ah, le voile entre le visible et l'invisible. Si tu préfères, bannisseuse. Repose-toi et soigne-toi. Dis-nous comment réparer les chasse-esprits. Le sort a déjà été lancé. Il suffit de les allumer. Faites attention. Cette vieille tête de mousse n'a pas pu aller bien loin. Je vais me reposer un peu. Bonne chance et amusez-vous bien. Alright. Pourquoi ça, c'est... Les logos là? Ok. Bon. Alors, c'est quoi la suite? On allume les chasse-esprits avec une pierre à feu. Enfin, j'imagine. Rien d'utile. Les reliques d'une colonie disparue depuis longtemps, j'imagine. C'est quoi ce camp-là? Au début, je pensais que c'était peut-être le camp de la sorcière. Oh shit! C'est quoi ça? Calisse! On est là! Ben oui! Petit souvenir des Highlands! Tabarnak!
Hey, tu m'énerves, toi, là. Sale parasite. T'es sérieux, là? Non, arrête de le viser, là. Tu vois que ça marche pas, là. Va-t'en. Ah non. OK, je peux même pas le tuer. Allez, dégage. Ok, ils viennent de partir. Damn. Là, notre premier chasse-esprit. Où ça? En haut? Ah ok, c'est ça ici. Ah, c'est ça les lanternes blanches. Partez ou je vous dévorerai. Il n'aime vraiment pas ces choses. Je vous aurai, vous aussi. On est quoi de l'autre côté? T'as pris tes outils de jardinage? Non? Dans ce cas, on continue. C'est quoi ça ici? Ah, c'est le brouillard. Oh shit. Je peux t'aider. Boom. Nice, je l'ai manqué. Est-ce que ça, c'est hot? Ok. Pourquoi pas? J'y ai presque. Et voilà. Cool. On va faire notre mission. Là, j'ai juste exploré tout le temps les alentours. Mais j'aime ça explorer les alentours. On a été quand même du bon stock. Pourquoi j'ai plein de quests? Parce qu'on a plusieurs chasse-esprits à allumer. On a juste 3 allumés. Vous serez les prochains. On va aller par là. J'ai quelque chose de spectral dans moi. Où ça? Ici? Non. Aucune idée c'est où. Ce que c'est? Oui. Ah! Il y a quelque chose ici. Oh! Ok, non, je pensais qu'on m'avait enfermé. Chose ici. Ah, c'est un coffre. Et voilà. Nice. On a un chasse-esprit ici. Fuyez comme les lâches que vous êtes. Là, encore un.
voirai dans ton crâne. Ouais, ok. Allumez. Il y a là, ça. Allez, plus qu'un. Bon, il en reste un. Je vous aime, vous aussi. Il y en a un proche d'ici. Il est en haut là-bas. Et ici, j'ai pas été. Et hop. Ah. Yes! On avait la clé en plus. Oh cool! C'est quoi ce bracelet-là? La colère augmente de 20% les gains de points d'esprit, mais réduit de 20% les dégâts au corps à corps infligés par Red. Ouais, bah non. Pas intéressant, non. Enfin, c'est avec Red que je me bats le plus souvent. Ah! On va prendre ça ici. Fait ça. Bon, ok, ici il y avait pas grand chose, mais ben, il y avait quelque chose là, mais ça n'a pas rapport à l'histoire. On a pas mal tout loot ici. Tiens, je peux monter ici. Il y a pas quelque chose là? Bon, ok. Il me semble que je vis quelque chose de flashy. Rôle de corbeau, ça, ici. Vous serez les prochains. Bon, qu'est-ce qu'on a par ici? Mes amis, mes camarades reposent à mes côtés. Ah. Faut le récupérer. Descendre. Ah, ici j'ai pas accès non plus. Encore ces saletés. Ils sont où? Attention, une possession spectrale. Et merde. Celui-là est... Je peux t'aider. Attention, une possession spectrale. Ouch. C'est enfin fini? Ne compte pas trop là-dessus. Celui-là maintenant? Oui, celui-là. Je vous arrête. Ça devrait suffire. Voilà. C'est facile, la sorcellerie, en fait. Pas de quoi en faire tout un plat. Ton amie la sorcière sera sûrement d'accord. Je vais me contenter de lui dire qu'on a fini. Quelle mouche a bien pu lui piquer le cul pour qu'il soit autant énervé? Une bataille perdue, une trahison,
Des lâches dans ses rangs? Qui sait? Bon, et où, chercheuse? Là-bas? Pourquoi ce village-là, il a tout été détruit? Damn. C'est moi ou tu parlais à un corbeau il y a un instant? Oui et non. Tout le monde est prêt? Bien. Elle vous attend. On va voir ta maîtresse. Où est-ce qu'on va? Voir ta maîtresse? Ceridian, oui. En bateau. Ça va être amusant. Non. Nous allons à New Eden. L'emprise du cauchemar sur le monde est trop forte, et le brouillard trop épais. Vous ne pouvez pas pénétrer sa forteresse. On ne peut pas retourner à l'église. Pas encore. Et pas sans aide. On s'en est bien sorti seul jusqu'à présent. Tu es morte. Peut-être que vous vous en sortez moins bien que vous le pensez. C'est brutal, mais tu n'as pas tort. On parlera à Ceridian avant de continuer. Je préfère ça. Suivez-moi. Attention, ne nous fais pas chavirer. Est-ce que c'est loin? Ça dépend de ce que loin signifie. Ne vous en faites pas, vous ne craignez rien. Ah bon? Les marais abritent de nombreux esprits agités. Mais ma maîtresse sait les réduire au silence. Un silence de mort. Le gars, il a fait ramer. Le spectre que tu as affronté ressemblait à un moissonneur. Ah, les bannisseurs. Il risque de revenir. Et moi aussi. Le voile semble plus fin aussi. Depuis toujours. On nomme ce lieu les Marais Bourbeux. Mais les tribus voisines l'appellent la Bouche Malade. Tu tombes malade en t'y attardant. Est-ce pour ça que les repoussoirs de Ceridian s'épuisent plus vite que la normale? Ça, c'est parce qu'elle est mourante. Oh, désolée. La vie est un voyage. La mort n'est qu'une étape. Ça me rappelle une petite balade sur le Ehrengrat. Il ne manque que la grêle et le glouton à nos trousses. Je suis sûr qu'on peut s'arranger. Tu parles d'une folle escapade? Quel foutoir. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Les hommes. La guerre. Ce Old Soul, qu'est-ce qu'il peut bien vouloir? Le chaos, le sang, la tête de Ceridian sur un plateau. Ils se connaissaient sûrement autrefois. Nous pourrions vous aider à le bannir? Les bannisseurs sont d'une telle arrogance. C'est le problème de Ceridian. Mieux vaut ne pas s'en mêler. Il y a des specs partout. Non, pas ça. Non, pas ça. Je parlais des spectres, merde. Ah, trop tard. Tabarnak. Les spectres sur le rivage sont immobiles. Les marais sont bien protégés. Ce sont des soldats? Ça, Miss Duarte, c'est l'armée d'Old Soul. Moi, je voulais inspecter les specs, puis il a parlé à elle sans faire exprès. Ça fait chier. Je peux même pas backer. Ooh. Bienvenue sur l'île de Ceridian. Il y a une puissance extraordinaire ici. Oh, tu as remarqué? Comme je le disais, bienvenue sur l'île de Ceridian. Thank you.
Elle est chez elle. Elle vous attend. Suivez le chemin jusqu'à un étang noir à proximité d'anciennes ruines. Je vous retrouverai là-bas. Comment elle fait ça? Il y a un truc, non? Si seulement il n'y avait que ça. Cette fille a un vrai don. Ah, il était cool ce petit moment-là, bateau. Qu'est-ce que c'est? Règle numéro 3. Tu te souviens du marais de Wisbeach? Ouais, mais je refuse de toucher ce truc avec un bâton. C'est tellement cool comme jeu, god damn. C'est drôle, hein, mais les jeux là qui sont pas genre triple A, entre guillemets, là, ce que je sais, c'est que c'est pas genre des développeurs connus, là. Parce qu'on dirait que tous les plus gros développeurs s'en vont tout le temps downhill, font des jeux de merde, mal optimisés, pis t'as des jeux comme ça, man, qui sont faciles à passer sous le radar, et qui sont excellents. Elle est trop solide pour moi. Wow, ok. Quelqu'un a laissé un feu de camp à disposition. Bon ben, je pense que nous autres, on va cesser là-dessus. Trouver Ceridian. On va faire une rencontre avec la sorcière. Nice. Et on va se reposer. J'ai un point de compétence qu'on va pouvoir placer. Ok, attends, c'est quoi ça ici? Changement parfait. Passer à Antea juste après avoir frappé un ennemi avec la crosse. On peut frapper un ennemi avec une crosse? Comment qu'on fait ça? Valeur un ennemi restaure 20% de points de vie. Mais réduit de 25% le gain de points de bannissement. C'est quand même bon quand... Je vais le prendre, je vais le prendre. Et voilà. Notre vie est pleine? Ouais, nous on est correct. Bon mais écoutez, nous on va cesser là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, donc un grand merci à ce qu'on peut de regarder. Puis nous, prochainement, on va aller voir la sorcière. Et c'est ça, on va voir ce qui va se passer par la suite. Donc un grand merci à ce qu'on peut de regarder, puis nous on se retrouve pour la suite. Restez à l'écoute, à la prochaine. Ciao.